Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à tous sur Parc Pritz. Aujourd'hui, vous le reconnaissez peut-être derrière nous, on se trouve à Busch Gardens Tampa Bay, oui. Toujours en Floride, et juste derrière nous se trouve Iron Gwazi, l'une des dernières attractions qui a été ajoutée ici, à Busch Gardens, et c'est RMC bien sûr. Alors, sans plus attendre, on va le tester tout de suite, c'est parti, on commence par ça. Alors ça y est, on arrive à Busch Gardens Tampa. Et donc on a installé un petit tram juste à l'entrée, juste à l'entrée du parking. Qui va nous emmener à l'entrée du parc. Du parc, voilà. Parce que c'est de l'autre côté de la route. Ouais. Once again, please remain seated until the tram has come to a full and complete stop. And watch your head and step as well. C'est à l'entrée du parc. Allez, ça y est, on est rentré dans le parc. Donc la Main Street, un peu orientale. Bon, c'est pas la plus belle entrée de parc, je trouve, ici. Allez, vite, il faut faire Iron Gwazi. Ouais, on a quelques nouveautés à tester. On a trois nouveautés à tester. On a aussi la grosse balançoire SNS, et je pense que je vais quand même la faire. D'accord. Ah bon, tu vas essayer? Ah ouais, parce que je l'ai pas faite celle-ci. Et il y a aussi une tour de chute qui est exceptionnelle. C'est Falcon's Fury, et c'est une tour de chute où vous êtes, où le siège, en fait, il bascule face contre le sol, et vous chutez, c'est incroyable. Vous voyez, regardez, on voit les rails de Iron Gwazi, c'est ce qu'on va faire en premier, de toute façon. Hein. On entend les gens crier. Iron Gwazi, c'est parti, wouh! Et on commence fort. Là. On est bien chaud, là. Ouais. Bon, Maxime, il doit vous dire qu'il a un petit peu peur. Bah oui, un petit peu quand même. Hein. Et c'est impressionnant, tu vois pas la hauteur, toi. Pourtant, bon, on a fait Zadra, mais c'est un peu... C'est, il me semble que c'est presque la même hauteur. Oh là, à un mètre près, il me semble. Il n'y a pas une grosse différence. Et c'est toujours quand même des coasters assez intenses, même si c'est fluide. Puis là, en plus, comme il fait déjà chaud ici en Floride, le coaster, il est déjà bien chaud. Bah allez, c'est parti pour Iron Gwazi. Et c'est 5 minutes d'attente. Et donc, on va commencer par prendre un casier. Alors là, on va prendre un petit casier. Rent a multi-use, voilà, pour plusieurs trucs. Et c'est rent a small locker for 2 hours. Donc pour 2 heures, c'est 10$. Et pendant 2 heures, comme ça, on peut changer le truc de place. Ben allez, c'est parti, au premier rond. Il a une belle tête de train. Il est joli. Tête d'alligator. De crocodile ou d'alligator, on ne sait pas. Un alligator, je crois. D'alligator, il me semble. Bah, c'est caïman la même chose. Allez, un nouveau RMC au compteur. Allez, c'est haut. Bah ouais, quand même. Hein. Oh, oh, oh. Oh, ça fait bizarre. La vache. La vache. Génial. Ouais, il est très très bien. Alors à comparer avec Zadra, je trouve quand même que Zadra est quand même un peu mieux, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des figures que j'aime plus sur celui-ci. Bah la version en descente là, elle est géniale. Ouais, c'est trop bien, très fluide.
Et ouais, tu vois, moi je préfère quand même Zadra, tu vois, personnellement. Mais bon, il est très bien, il est excellent. Ah ouais. Voilà. Bah allez, deuxième tour de Iron Wadi, et là vraiment au dernier rang. Donc on n'attend pas, en fait, il n'y a vraiment personne, c'est incroyable. Oh oh oh, à peu plus court. Je pense qu'on va bien décoller tout en haut. Attention. Bah écoute, bon maintenant ça y est, il le Xadra. Ouais, non, mais il est vraiment bien. Ah ouais, mais carrément. C'est que agréable, quoi. Ouais, franchement, ouais, ça fait pas mal. Il y a des petites bosses et tout. Ouais, franchement, c'est très fluide. Ouais, franchement, ouais, c'est très agréable. Cette inversion en descente et à l'arrière, ouais, c'est encore mieux. Ah ouais, top. Puis là, la dernière bosse, il y a un airtime de fou, franchement. C'est incroyable, il est très bien. Canon. Ouais, voilà. Bon, au premier rang, Xadra, c'est mieux. Au dernier rang, Iron Wadi pour moi. Pour ma... Ouais, à tester en fin de journée, ce sera brûlant. Ah ouais, alors franchement, ça va dégommer. Et puis surtout, la première descente commence à t'arrache vers le bas, c'est incroyable. Hein. Alors à côté de Iron Wadi, vous avez une petite attraction pour les petits, le Wadi Glider. Et après, bah, des trucs de foire, hein, bien sûr, les jeux. Ça, je me souviens, tous les flamants roses, c'est énorme. Hein. Donc des flamants roses des Caraïbes. On voit derrière Iron Wadi. C'est fou, hein. Il est fou ce ride. Alors c'est notre quatrième jour ici en Floride. Et les températures, elles sont super élevées. Hein. Il fait, on va dire, 33-34 degrés avec un ressenti de 40 degrés. Donc je peux vous dire qu'avec l'humidité tout ça, c'est compliqué. Mais après, bon, ça va. Après, il y a beaucoup de clim un peu partout. Et puis c'est les vacances, hein, donc qui dit vacances dit chaleur. Hein. Et là on va passer en premier, donc on va aller vers Shekra. Shekra, c'est un dive coaster de chez B&M, c'est l'un des tout premiers, il me semble, hein, qui a été ouvert. Je pense que c'est le deuxième, peut-être, il me semble. Le premier, ça doit être Griffon à Busch Gardens, Williamsburg, il me semble. Et il est un peu plus petit, celui-ci. On va passer en premier par la zone Sesame Street. Oui. Donc la rue Sésame, la zone pour enfants. Et c'est mignon, il y a de tout, il y a des petits coasters, il y a un petit truc de spectacle, il y a des manèges divers. Sesame Street Safari à fun. Ah, regarde, la petite coaster, il est là-bas. Bon, allez, hein, on va faire, pour nous remettre de nos émotions, le petit coaster de la zone Sesame Street. Bon, c'est un petit zireur, hein, on connaît tout de suite les sièges. C'est tout mignon. J'ai même pas pu filmer là-dedans, c'était interdit. Alors qu'on a filmé dans Iron Wadi, il n'y avait aucun problème, quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, donc il y a plein de petites attractions, il y a un petit canal de rondins pour les petits. Ah oh, bah c'est carrément un petit river splash en fait. C'est trop mignon, regardez. Ah, c'est trop mignon. Après il y a aussi des ponts de singes. Ah, c'est bien pour les enfants ici, c'est top. Donc vous voyez, pour le pico, il y a de quoi faire, hein, pour les gamins ici. Bon, c'est en cul-de-sac, hein, donc vous ne pouvez pas traverser pour aller dans le fond du parc. Donc on arrive dans la zone de Shekra. Vous allez voir avec l'énorme splash. Le splash, il est juste ici. Je ne me souviens plus que ça pouvait aussi entendre que ça. J'avais même un petit train qui fait le tour du parc. Il y a deux gares, il me semble, deux stations. Bon, rien à voir avec Baron, Efteling. Alors, là, c'est vraiment du dive coaster. C'est quand même plus haut. Regardez en face, on voit Falcon's Fury. C'est impressionnant.
Hop, allez, vous voyez le siège qui se pivote. Et après, ça va lâcher. Il y a de l'air. Ah ouais. Ah, ça fait du bien. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment personne dans le parc, hein. C'est incroyable. Éclaboussure. C'est parti. Pour Chica. Donc avec des trains de 8 passagers côte à côte. Vous avez la ville de Tampa et droit devant la mer, mais on la voit pas, on est trop loin, hein, déjà. Ouh, c'est parti. Oh là 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 là. Ça décoiffe, ça. C'était très bien, franchement. Hein. Puis la puissance du truc, tu sens, hein, que le train il est bien lourd là. C'est incroyable. Bon, la première descente, elle est impressionnante. Hein, là. Pareil, on sent la force du truc, c'est incroyable. Mais plus haut, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. Bon, Chico, c'est validé. Allez, maintenant, on va se rafraîchir dans le Flume. Donc, c'est le Stanley Falls Flume. Et juste en face. Bon, allez, départ immédiat. Juste le temps de monter dedans, c'est tout. Donc c'est un vieux flume de chez Arrow, il me semble, si je ne me trompe pas. Bon, il n'est pas foufou, hein, mais... Ouais. Puis on avait quand même besoin de... C'est pour ça que c'est bien rebourré sur les côtés. Il y a plein de mousse partout. Bon, c'est pas un truc foufou, mais bon... Là-bas, c'est rigolo, la descente, en fait. Elle est toute en rapidité, vous allez voir. Ça va super vite, hein. Bon, ça va. De toute façon, on a une vue un peu plus... Regardez, on voit à droite... On voit à droite, donc, la Falcon Fury, c'est trop bien. Il y a un vieux coaster Schwarzkopf qui est très doux, qui est très bien. Il y a un téléphérique qui ne fonctionne pas. Alors, on a eu la même chose.
Allez, première descente. Wouh. Oh, punaise. Ça mouille pas du tout, mais alors après la bûche elle va à fond, quoi. C'est rigolo quand même. Ouais, voilà, c'est ça. On est trempé. Trempé, mais pas par la descente. Hold on tight. Oh, il est très court, hein, le parcours. Oh là, ça se coupe. Attention. Bah voilà, je suis trempé. Hein. Bon, moi, c'est ce qu'on cherchait, de toute façon. Donc, c'est tellement chaud ici en Floride. Ouais, l'eau, elle est chaude, c'est vrai. Alors maintenant, on va enchaîner avec Tigris. Donc, c'est un coaster de chez Premier Rides, comme Sky Scream à Holiday Park, notamment en Allemagne. C'est vrai, les harnais sont pas si terribles que ça. Ils sont pas mal, ceux-là. Ils sont assez amples, en fait, par rapport à ceux de SeaWorld San Diego. C'était Electric Eel. Allez, bah c'est parti. Ouh. La vache. Et voilà. Court mais efficace. Toi, j'ai trouvé agréable du coup. Ouais. Comme l'arnée est sympa. Tu vois, moi je voudrais totalement ça à Belleville, par exemple, à la place du Boomerang. Oui. C'est vrai, hein, c'est ça. Oui, oui, ça prend un peu de place. Puis au moins, c'est plus confortable. C'est accessible finalement, parce que les harnais, ils sont quand même sécurisés. Quoi, hein. Donc, mais ça ferait aussi une attraction à sensation. Ouais, voilà, c'est ça, plus moderne, quoi, plus moderne. Au moins douloureuse. Et donc, pareil, hein, Halloween, vous trouverez aussi sa Busch Gardens, des soirées spéciales. Donc, c'est Hollow Scream. Du 8 septembre au 31 octobre, et c'est des dates spéciales. Hein. Alors juste derrière Tigris, vous avez aussi une autre zone, donc avec des orang-outans, des tigres, devant un trail, mais il est fermé, un petit pélé. Et on va aller se rafraîchir un petit peu, puis on va quand même faire Kumba, un B&M également. Un peu rude, mais bon, on va le faire quand même. Il y a des petits ventilateurs avec de l'eau. Ah, ça fait du bien. Alors, ben. En espérant qu'elle soit plus humide que dans nos souvenirs. Hein. Parce que c'était pas vraiment ça. Hein. Ouais, c'est parti. They probably let us because there was still more seats for a lot. What? They probably let us stay on because un petit vaguelette. Yeah. Ouh, j'ai eu deux gouttes sur le bras. Ouh, c'est magnifique. Uh-oh. Bah écoute, pour l'instant, c'est aussi un peu dans mon souvenir. Hein. Big waves going off. Nope. We are. Nope, you are. Oh no! Yeah? Oh, they're gonna get the way. Oh no! Oh no! Oh no! Tree. No. Yeah, oh, ouais, y'en
Ouais. Oh, en effet. Ça va encore. C'était pas pour moi, donc ça va. Ouais, voilà. Bah, c'était bien. Nul. Bon, ça va, il y a encore un petit rapide là-bas. Oh là là, ouais, d'accord, on est fait. Bah, ils ont changé là. Ça, c'est ça, ça y était pas quand on est venu la dernière fois, hein. C'est pas possible. Attention. Bah, là, c'est pour nous. Bah ouais, c'est, j'ai l'impression franchement qu'on était venu la dernière fois, on avait trouvé que c'était vraiment très nul. Ah oui, ça je me souviens, il me semble, non? Ouais. Bah en fait ça va, c'était bien mieux que dans mes souvenirs. Je suis un peu mouillé. Allez, maintenant direction Kumba. On voit en train de grimper là-bas, mais on va pas voir grand chose hein, mais. C'est parti pour Kumba. Apparemment, enfin, vu les bruits qu'il fait, c'est très intense. Je m'attendais à pire. La dernière fois parce ouais. Que, là, c'est bien, franchement. Ouais. Hein. Bah ouais, carrément pas. Ouais, ils ont changé les roulements. Bah, j'ai l'impression parce que. Tu te souviens la dernière fois comment c'est passé? On avait souffert. On était ressorti en disant plus jamais. Bah ouais. Alors, franchement, il était beaucoup plus confortable que dans nos souvenirs. Hein. La dernière fois, c'est vrai qu'on n'était pas tout à l'avant. Hein, donc, voilà, c'est là, ça à l'avant, ça allait. Ouais, franchement. C'est appréciable. Ouais. Après, il est quand même intense, hein, c'est sûr, mais ça passe bien. Il y a une petite libellule qui est venue nous voir. Ouais, ouais. Juste en haut du lift, je sais pas si ça se voit à l'image. C'est rigolo. Elle nous a suivi, hein, parce qu'on l'a retrouvée un peu plus. Elle voulait faire un tour avec. Voilà, c'est ça. On arrive dans la zone Pantopia. Donc c'est une zone centrale, hein, vraiment au centre du parc. Et donc vous trouvez donc, la fameuse tour de chute, hein, Falcon Fury. T'as un petit peu peur, hein. Non, déjà. T'as pas d'appréhension du tout? Non. D'accord, cool. Ce serait une première pour toi du coup. Ouais. Hein,
dirai peut-être différemment une fois que je serai en haut. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, toujours le basculement des sièges, c'est waouh, impressionnant. Hein. Mais c'est pas très très haut, hein. Franchement, on a déjà fait plus haut, quoi. C'est combien, là? Je sais pas, je pourrais pas te dire, c'est mais... C'est plus haut ou plus bas que le donjon de l'extrême? Oh, peut-être la même hauteur, peut-être un peu plus bas, je sais pas, je pourrais pas te dire. Faudrait que je regarde. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo, elle est belle, cette zone. C'est original. Très coloré. Ah oui, donc juste là-bas, vous aviez, juste en face, c'était Sand Serpent. C'était une Wild Mouse. Et ils l'ont démonté, donc apparemment ce serait l'emplacement de la prochaine nouveauté, hein, ici. Regardez qu'elle est magnifique cette course de chute. Bon allez, on va commencer par Scorpion. Donc le vieux Schwarzkopf, toujours aussi, aussi bien. Bon, un peu rude, hein, forcément, vu son âge, mais c'est toujours super sympa à faire. C'est tellement de plus en plus rare, ces trucs-là. Ils démontent de plus en plus partout, donc... on profite. Et ça va encore. C'est rustique, hein, ouais. Mais... c'est le prochain truc qui prend le V. Ouais, bah voilà, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut en profiter, quoi. Alors, bah ça y est, on enchaîne avec Falcon's Fury. Hop, le petit basculement qui va bien. Y'all ready? Yeah. Ah, ils ont de la place, hein. Ah oui, en effet. Busch Gardens Spooktacular is a whimsical Halloween event fit for the whole family. Guests enjoy a costume parade, story time, and trick-or-treating. Busch Gardens Spooktacular will be passing... T'es prêt? Ça a basculé. C'est impressionnant, hein. Ah, c'est horrible. Oh, je déteste ça. Oh la vache. Et c'est voilà. Génial. C'est génial. C'est clair, ouais, c'est génial, hein. Ça fait bien flipper, hein, n'empêche, hein, le basculement. Hein. Ça bosse. Ben, écoute, j'avais plus d'appréhension. Ah ouais. Ah ouais. That's great. It was very good. Donc c'est bien la meilleure tour de chute du monde, on est d'accord. Hein, ouais, franchement c'est trop bien. C'est incroyable, c'est incroyable, franchement. C'est vraiment vraiment bien. C'est encore plus effrayant dans mon souvenir. Eh ben, bizarrement, le basculement, une fois qu'on a basculé, je me suis dit, bon ben, c'est tout, ça y est. Ouais, bah et voilà. Voilà. Mais bon, moi je me sentais quand même glisser un petit peu quand même. Hein. Ah ouais, bah non, c'est bien. Hein. Le harnais, il est bien et tout, donc je me sentais ouais, ouais. À l'aise. Alors ce petit intermède musical vous est proposé par Busch Gardens. Alors on approche de la savane, regardez il y a un petit éléphant là, qui a trop chaud du coup il se met en dessous de l'eau. C'est une petite douche, c'est cool ça. Et on arrive bientôt. Ouh, regardez, Cheetah Hunt, génial. Ça c'est une très bonne montée russe aussi, très bon costume. Et à gauche donc le Serengeti Flyer.
Ça, c'est l'un des meilleurs passages de montagne russe. C'est super esthétique. C'est incroyable. Regardez comment c'est twisty. Regardez, c'est fou. C'est merveilleux, ce passage. C'est merveilleux. Il va venir de là. Okay. C'est twisty. Bah allez, on va faire Serengeti Flyer. Une grande balançoire SNS. Ça, c'est puissant. Hein. Oh, there's a wonderful audio. That's new. Oh, that's nice. Oh, punaise. It's a longer ride too. That's great though. Yeah. So the pitch forceful. Yeah, that is forceful. Yeah. It's quite relaxing in a weird way. Yeah. Yeah. They actually have on some days they'll run one side. Because they have no other ride. Bon, moi, il est temps de s'arrêter. So they run one of the sides to really slow, mild. Yeah. Un peu de plus. Ah ouais? Ouais, c'est juste en fait comme ça à la, comme quand t'es comme ça ça va, mais quand t'es comme ça moi je me sentais partir en arrière, c'est ça que j'aime pas en fait. Et voilà, bah c'était Serengeti Flyer. Ça va, c'était pas aussi terrible que dans mon souvenir. Enfin quand je l'ai fait à Thor Park il y a quelques années. Et moi il y en a un supplément ici, vous pouvez faire également un safari. On voit les petites jeeps là-bas garées. Là-bas. On en a vu une passer tout à l'heure, mais c'est vraiment, c'est pas comme Animal Kingdom, hein. C'est vraiment un truc plus personnalisé, où vous arrêtez, vous nourrissez les girafes et tout ça. C'est aussi pour ça que c'est payant, ce n'est pas du tout la même expérience. Regardez la petite hyène. Je pense qu'on n'est jamais été aussi proche d'une hyène. Incroyable. Je vais lui caresser le ventre. Il ou elle? Je pense que c'est il. Il a chaud. Regardez que c'est beau, la savane. On voit les girafes au loin, les zèbres. C'est magnifique, hein. On ne pas du tout... on est vraiment juste à côté de Tampa, quoi. Donc, autour de nous, c'est la ville. Hein. Ça fait vraiment bizarre. Autant dans les autres attractions, on voit bien... c'est vrai, hein, la ville. Autant ici, on ne voit pas du tout. Hein. C'est bien caché. Même ce restaurant, il est super beau, je trouve. Enfin voilà, je trouve que c'est l'un des plus beaux points du parc ici. Regardez, on voit juste devant Cobra Scars. C'est un spinning ride de chez. Un spinning coaster de chez Mac, avec un ascenseur. Bah, c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais bon, c'est rigolo. Puis derrière, il y a Montu. Donc, on a une vertèbre de chez B&M. C'est l'Osiris de Busch Gardens. Ça me paraissait... C'est impressionnant, en fait, hein, la taille... C'est vrai. C'est impressionnant. Je me souviens plus que c'était aussi haut, en fait. Donc, en vidéo, ça rend pas très bien, mais alors, en vrai, le serpent, il est vraiment énorme. Thank you.
Alors bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur Park Trips, nous sommes au Parc Astérix et on va tester Osiris. Non. Et non, on est à Busch Gardens Tampa. Oui, et ça, on va c'est tester Montou. Ça ressemblait étrangement, hein, bien sûr, mais c'est pas du tout le même parcours. Hein, voilà. Celui-là est un peu plus rude. Un peu plus rude, ouais, voilà, bah, et plus vieux aussi. Hein. Et par moment, on passe limite le voile noir. Ouais, c'est vrai. Il y a certains virages qui sont quand même assez Ah bah ça va, il était moins violent que dans nos souvenirs. Après peut-être qu'à l'arrière, voilà, on l'a fait au premier rang, voilà, c'est ça. Et bon, il est très bien, franchement, et pourtant il est quand même assez vieux. Assez âgé maintenant. Ouais, ouais, et non, très agréable, c'était cool. Ouais, en fait, c'est très bien. Ouais, ouais. Je m'attendais plus à la dernière petite inversion. Ouais, c'est vrai. Après, là, voilà. Tu passes le pont, un petit retournement, hop. Bien sournois. Et on va continuer. Oui. Avec la deuxième attraction de la zone, hein, Cobra's Curse. Long ago, I, the Snake King, Serpent God, ruler of earth and sky, blessed the people with my protection. They worshipped me, and I gave them a bounty of fruitful harvest. Un chargement comme à Grid, hein, sur un tapis roulant. The darkness awakens. Comme dans Alpenblitz. Oh. Et les pigeons. On tourne pas beaucoup, hein.
Et voilà. Bon, c'était pas foufou, hein. Et donc, c'est bien à Busch Gardens. Vous pouvez louer un casier pour la journée. Donc, c'est 10$ la journée, donc c'est pas très très cher, hein, franchement. Et à chaque fois, vous pouvez déplacer vos affaires d'un casier à l'autre dans tout le parc. Ça, c'est vraiment pratique, hein. Parce que à SeaWorld, je crois que c'est le même. À San Diego, c'était pas pareil. C'était pas pareil, en fait, à chaque fois, il fallait renouer un casier. Donc c'était un peu galère, un peu chiant. Ouais, c'était le moment bien foutu. Alors, Cobra's Curse. C'est un beau coaster familial. C'est dommage, mais il vibre beaucoup. Ouais, il vibre. Bah, c'est pas. C'est court. Ouais, c'est court. Après, bon, c'est original, on va dire. Voilà, c'est rigolo. L'ascenseur, fait deux tournées, les rotations. Mais sinon, c'est vrai que c'est familial. Hein, ouais, fait, ouais, voilà, c'est cool. Un bon ajout pour le parc, mais pour nous, c'est pas très attrayant. Quoi. Mais on va continuer et on va aller faire. Oui, et faire Cheetah Hunt, un accélérateur coaster d'Intamin. Donc, on va dire première génération. Hein, c'est les anciens coasters. Ouais, mais qui restent toujours. Qui restent très bien, oui. Alors là, on se trouve dans le bar, le Giraffe Bar, avec vue sur la savane, juste en face. Et on va tester des bières locales. C'est bien, c'est des petits samples, il y en a 5 de différentes villes, du coup. Voilà. Donc il y en a un à la mangue, il y en a un à l'orange, un à la passion, et après il y a Blue, et après You're My Boy, je sais pas ce que c'est, on va voir ce que c'est. Bon, ça fait 17,90€, c'est ça ? 17,91€. 17,91€ avec les taxes. Alors, tu vas goûter laquelle toi en premier, Julien ? Oh là là, celle à la mangue. À la mangue ? Je crois que c'est celle-là. Vas-y, bah essaye. C'est ça? Ça sent la mangue? Pas plus que ça. C'est peut-être pas celle-là. Ah, c'est ça. C'est celle-là? Non? Celle-là, elles sont... Ouais, c'est celle-là. Moi, j'ai goûté la première. Ah, elle est bonne! Celle-là, elles sont trop bonnes. Celle-là, tu vas bien aimer. J'ai pas aimé? Si, tu vas bien aimer. Elle est un petit peu amère, quand même. Légèrement, mais pas trop. Elle est bonne. Moi j'aime pas, elle sent trop la bière. Goûte celle-ci, tu verras. Elle est vraiment bonne. Très fruitée. Ouais, elles sont bonnes. Ouais, elles sont super bonnes, elle est vraiment fruitée. Elle est bonne, hein. Bon, et puis ici aux États-Unis c'est pas de la bière forte, hein, donc c'est vrai. Non, elle est bonne aussi, je pense que c'est la même que celle-ci. Goûte, tu verras. Ouais, je pense que c'est la même. J'ai l'impression. Donc c'est assez, hein. Prenez juste un sample pour deux parce que ça fait quand même pas mal déjà. Ouais, ça fait beaucoup. Bah voilà, c'était la petite dégustation de bière à Busch Gardens, Tampa. Au Giraffe Bar. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Et c'est trop... enfin, rien que pour le bâtiment, mm-hmm. Il faut venir, il faut le voir. C'est ouais, c'est joli. Sympa, c'est joli. Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. Une belle vue sur la savane. Alors après notre petite dégustation de bière qui était, ma foi, fort sympathique, bien rafraîchissante, mais aussi, tu commences à sentir quand même un petit peu l'alcool. Hein. Là, on va faire Cheetah Hunt, le dernier coaster du parc à tester pour nous. Bon, on l'a déjà fait, hein. C'est bien, c'est qu'on va pouvoir filmer, si c'est cool. Allez, c'est parti pour Cheetah Hunt. Non, on n'est pas tout seul. Ah ouais ? On a le train, on a un train pour nous, en fait. Il n'y a vraiment personne. C'est un truc de fou, quoi. C'est parti ! L'air time de fou. Ah, il est bien, hein. Petite inversion. Là, ça va être twisty. Wouh. 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 Trop bien. Ah ouais. Accélération. Wouh. Voilà. Airtime. Wouh.
Ah, très très bien ce petit cheetah hunt. Hein. C'est un plaisir. Hein. Ah ouais, c'est un plaisir. Hein. Il vibrote un tout petit peu, mais... Ah ouais. Il est très très bien. On aurait ça en Europe, ce serait un gros hit. Hein. Deuxième tour de cheetah hunt. Airtime. Attention, twisty. Attention, airtime. C'est bien, c'est que là les harnais ils sont pas du tout gênants en fait, tu vois. C'est vrai, hein, ça reste confortable. Et ils tapent pas du tout en fait, hein. C'est vrai, hein, franchement. Ils vibrotent un tout petit peu, mais ça reste très agréable, quoi. Franchement, il est très bien. Même si c'est pas non plus. C'est pas ouf, c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de dingue, ouais, et à sensation. Mais pour un ancien modèle, c'est dingue. C'est cool. Un ancien modèle. Ouais, voilà. Et deux, par rapport à la promesse où on te dit, ouais, le but c'est de faire comme les guépards. Ouais, tout ça. Bah, t'as vraiment cette impression-là de courir et d'aller chasser. Dans les petits virages, ouais, c'est top, quoi. C'est génial, c'est le meilleur passage. Bon, même l'inversion, elle est top. Hein. Elle est top. Donc ici, bah, vous avez les petits guépards, les cheetahs en anglais. Ah, c'est trop bien. C'est bon, hein. Il a faim, je pense qu'il y a quelqu'un derrière... Oui, il a chaud. Ouais. Il a chaud. Bah, là, on va enchaîner les tours d'Aaron Godzi, vu qu'il n'y a personne, regardez. C'est un truc de fou, il n'y a vraiment personne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne quand il est chaud? Ouais. Ouais, c'est trop bien. Ça fait encore plus flipper. Ça va, c'est le bonheur. Il est nerveux là, ouais, un truc de fou. Hein. Alors, ouais, il y a quelqu'un derrière nous ou pas? Tout derrière. Sinon, il n'y a personne. Truc de fou, quoi. C'est parti, on va se faire arracher la couche. Attention. Ah.
Il arrache. Il est parfait. Regardez le petit clin d'œil du parc justement, parce qu'en fait, avant Iron Guazi, c'était une montagne sans bois en dueling, et ils ont gardé les petits panneaux comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Et ça s'appelait Guazi tout simplement. Allez, un dernier tour d'Iron Guazi, tu vas bien dépoter là. Dernier rang. Tu dépotes bien là, c'est top. Ouais, bien chaud là. Oh, le monstre! Je retrouve des sensations un peu de Dollywood. Ah ouais, avec Aligning Rod, ah ouais, avec les jambes et tout, putain, c'est un truc de fou quoi! Mais très bien! Hein. Ah ouais, punaise! Ouais, je suis désolé, mais je le préfère à Zadra. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Je trouve pareil. Plus rigolo. Ah ouais, ouais, carrément. Waouh! C'est bien, t'as un petit moment de pause avec l'inversion quand même assez tranquille finalement, tu ouais, vois? Ouais, l'inversion elle passe bien. Ouais. Ouais, l'inversion elle est toute tranquille, puis après, boum, c'est reparti quoi! Avec le double down, enfin la descente en deux temps, là, ça tire sur les jambes, c'est impressionnant. Waouh. Puis dernière airtime, quoi. La dernière bosse, elle est sans cesse, quoi. Toutes les bosses, ah ouais, ouais, c'est un truc de fou. Alors, je viens de faire un dernier petit tour de chute de Falcon Fury. Moi, c'est bon, j'ai fait mon quota d'attraction pour la journée, c'est bien. Ready. Regardez ici, il y a plein de choses intéressantes. Bah, c'est une petite boutique. Regarde le train, il est trop beau quoi. Mmh. On remplace. Ils sont deux, non? Il m'a l'air plus petit. Ouais, mais non. Il y a 30 dollars. Ouais, non, c'est bon, il est plus cher. C'est vrai que ce serait rigolo, mais bon. Ah, il est beau. Il est fort du coup, il reste dedans. Ah, c'est bien. Il y a une belle maquette de Iron Guazi. Super beau, magnifique. Alors on s'y met à l'abri parce que il fait un orage de dingue, notre premier orage de notre séjour en Floride. Ouh. Ça craque bien. Alors bah, pour une fois, on fera une conclusion donc en intérieur, mais devant la maquette d'Iron Guazi. Exactement. Donc n'hésitez pas à rentrer dans la première boutique sur la droite, la boutique qui vend des fjords, etc. Il y a des maquettes qui sont vraiment super sympas, ouais. Tout à fait. Comme vous l'avez vu, il n'y avait vraiment pas grand monde, donc on vous encourage vraiment à venir en semaine, en septembre, voilà. C'est vraiment super tranquille. Les soirs où il n'y a pas d'Holo Scream, vous l'entendez derrière nous, il y a un énorme orage, donc on est à l'abri. Voilà. Mais la journée se termine, il reste un peu moins d'une heure de parc. On a fait vraiment plusieurs fois toutes les attractions, on s'est vraiment éclaté. Iron Guazi, c'est génial. Boucle, ouais, génial. Ouais, franchement, ouais, très bien. C'est notre coaster préféré. Voilà, allez, il est passé devant Zadra. Voilà, devant Zadra.
Et voilà, et les opérateurs étaient toujours, c'était toujours un peu lent. Au début, c'était un peu lent à démarrer, puis après, ça a été, je trouvais. Après, ouais, c'était après, un peu plus rapide. Trouver leur rythme. Voilà. Après, comme il n'y a pas grand monde, c'est pas très c'est grave. Pas grave, hein, on attendait presque pas. Mais c'est un parc qui est toujours aussi agréable, qui est vert partout. Il y a bien mieux dans mon souvenir, personnellement. Il y a de l'ombre, surtout. Il y a de l'ombre. Il faisait chaud et il y avait chambre, donc ça, c'était cool. Et avec des très très bonnes attractions. Voilà, on est à peu près à 1h15, 1h20, si tout va bien, d'Orlando. Ouais, sans bouchon. Que vous puissiez, voilà, sur la côte ouest de la Floride, pour que vous situiez un petit peu le parc. Et vous pouvez aussi avoir des tickets groupés avec SeaWorld, Aquatica. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Parce que ça vaut le coup si vous comptez faire plusieurs parcs. Il y a des packages qui valent vraiment le coup, donc n'hésitez pas à regarder. On vous mettra aussi toutes les informations dans l'article lié à cette vidéo. La journée se termine, mais le trip ne se termine pas. Ça continue. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner un petit peu de visibilité, ça faisait toujours plaisir. Et surtout à commenter pour savoir si vous êtes déjà venu ici, à Busch Garden Tampa, pour savoir si vous avez déjà fait Iron Gwazi. Et si Iron Gwazi est votre coaster préféré dans le monde, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse aussi. Et à départager votre top coaster aussi. Ben voilà, hein. Et pour une fois, on va la faire en anglais. See you soon on Park Trips. Bye.